Bonjour, une petite vidéo rapide sur mes achats actions d'hier. Donc j'ai racheté pour la seconde fois du sucre de coco. C'est un sucre de coco bio. Il est très bon. Franchement, il est très bon. Et puis il est très bon aussi au niveau du prix parce que je crois que je l'ai payé moins de 3 euros. Alors que d'ordinaire, j'en achetais des fonds de sac Jardin Bio, je crois, chez Intermarché. Et je le payais 5 euros et quelques. Donc ça vaut le coup au niveau du sucre de coco, hein. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, si vous ne le connaissez pas, testez. Il y a un petit goût de mélasse, il faut aimer, hein. Moi j'aime bien. J'ai acheté aussi l'huile de coco. Il y en avait deux versions. Il y avait cette huile-là et il y avait l'huile de coco désodorisée. Bon, celle-là, je l'ai prise. Mais elle est raffinée, hein. C'est pas une huile de coco bio. Mais bon, pour 2,59 vu le pot, je peux m'en servir pour me faire des bains d'huile pour les cheveux ou si j'ai envie de me faire un bain d'huile sur les pieds. Voilà. Rien à voir avec celle-ci que j'achète, vous voyez, en magasin bio, qui est tout ce petit pot qui fait quoi? 200 ml, 5 euros quoi. Mais bon, elle est bio et elle est de première pression à froid. C'est pas la même chose, hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Eh bien, des chouchous, 1,59 le paquet de chouchous, il en reste plus beaucoup. J'ai racheté ça, des spatules en bois, 3 spatules pour 3 tailles différentes pour 1,50 € ou 1,59 €, je ne sais plus. Ah non, je me trompe, c'est 49 centimes. 49 centimes, 1,59 € c'est les chouchous. 49 centimes, franchement, 3 spatules en bois. Je jette les miennes et je les remplace, hein. Non, je les jette pas, je les recycle les miennes. En fin de compte, je m'en sers toujours quand je fais de la peinture pour remuer les fonds de peau de peinture. Voilà. Je n'ai pas acheté grand-chose. En déco, j'ai rien acheté. Ah si, j'ai acheté une petite boîte, mais elle n'est pas là. Une petite boîte à thé customisable. Donc, voilà la boîte que j'ai achetée. C'est une boîte à thé, en fin de compte, que j'ai achetée chez Action. Là, j'ai retiré les fermoirs. Le problème, c'est que c'est pour mettre des huiles essentielles et elle n'était pas assez haute. Donc, on a rehaussé ici cette partie-là. Comme quand il a trouvé une planche et voilà. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais peindre le tout en rouge, de la peinture pour bois rouge. Et le dessus, ben, enfin ici, pour cacher la démarcation, je vais faire un serviettage.